Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Dredge. J'ai pas joué pendant 10 minutes, je sais plus comment on joue au jeu, voilà. Hein? Je sais pas où ils sont. Hein, je peux pas. Ah oui, je ne peux plus pêcher dans les hauts fonds. Tristesse. Encyclopédie, des trucs moches. Quête. Alors, nous avions des quêtes. Donc je récupère un poisson ogre. Je dois récupérer tous les échantillons. Je dois chercher des reliques. Et dans les reliques que nous avons à chercher, nous avons au milieu donc, de cette grosse flaque un gros poisson qui m'empêche d'aller probablement piller la ruine qui m'intéresse. Ça se passe bien ? J'ai un biniou. Mais c'est pas le biniou que je cherchais. Vous voyez, il y a plein de biniou. Et il faut que je trouve le bon biniou. Vous suivez, c'est une histoire de biniou. Hop, hop, hop. Hop, hop. On va déjà purger tout ce qu'on peut purge. Oh. J'avais pêché ce truc. C'est New Age. Un grand gosier pélican. Mais il fallait que je chasse ce truc. Fallait que j'attrape ce truc. Mais pour qui? Je ne sais plus. Au secours. Ouais, ouais super, content. Cale, filet. Ouais, j'ai ramassé un truc dégueulasse. Cabine. Quête. Ah non, c'était un poisson ogre. Ça c'est de la merde, on s'en fout. Bon. Ah non, on est toujours content d'en avoir. Ça, ça pue du cul. Clairement, j'y vais pas. Ça sent pas bon. Je vais me débarrasser de ça. Ah, c'est quand même un peu dommage de plus pouvoir pêcher dans les hauts fonds à cet endroit-là. Hein. Est-ce qu'il y a un requin là-bas? Oh ouais, d'accord, ouais, je peux vraiment. J'ai l'impression de plus rien pouvoir pêcher du tout de ma vie. Oh ouais. Pourtant c'est la côte ça. Attends, même la côte je peux plus. Ah non, c'est vraiment plus que les abysses et les hauts fonds. Ah, attendez, il y a l'histoire obscure du requin aussi. Ah mais non, mais même le requin je peux plus. Non mais ça a la tristesse. Mais vraiment. Vraiment, j'ai l'impression de me demander ce que je fous avec ça, mais bon. Poisson ogre, ça va être un poisson plus des abysses. Ouais. Allez, essayer de lui trouver ça. Parce que là, je le vis très mal. Là, je peux rien pêcher, je le vis hyper mal. J'ai l'impression que le jeu m'exclut de sa vie. J'ai l'impression que le jeu m'exclut de sa vie. Boum! C'est vendu. Ouh, par contre, ça pèse. Hein. Chantier naval. Je vends toujours de la tech. Vends de la tech. Lourd. Ah oui, et dans ma réserve, je crois qu'il y a une tonne de trésors. C'est exactement ça. Ah, mais je pourrais refuser la pêche auto. Pour y poser le mont Minx là. Ayez une vitesse de pêche combinée de 200%. Succès déverrouillé, voilà. Je viens de compiler un truc. On va se faire une petite sieste. Voilà. C'est très bien jusqu'à cette heure-ci. Alors je t'ai piqué ta recherche, mais faut qu'elle me serve. Sinon ça ne sert à rien. Abyss grand fond. Moi je pourrais récupérer les grands fonds. Récupère les grands fonds. Expert des cannes à pêche. Faites des recherches sur toutes les cannes à pêche. Ça c'est fait. Du coup ici, s'il vous plaît, il faudrait de la. La garde de la pêche, la canne quoi. Alors attends, avec ça je peux faire côte au fond océan. Abyss grand fond océan. Du coup ça, je peux le vendre. Ça, je peux le poser. En plus, il est tout petit. Pratique, ça.
Donc je peux faire côte, au fond, océan, une toux, océan, abysse, grand fond. Je peux tout faire. Je peux tout faire. Parfait. Du coup, je suis en train de demander dans ma réserve, il reste le filet. Ok. Ok, ok, ça c'est une plateforme de... Ok, mais tout ça c'est que de la pêche pure, hein. Donc là, je peux plus que faire que de la pêche pure. Que de la pure pêche, comme vous voulez. Un beau droit. Il est beau, mais il est un peu de droite. Du coup, il est un peu moche, quoi. Oh là, il est dégueulasse. Oh, il est dégueulasse. Il est magnifique. Le beau droit persan, les profondeurs subissent les conséquences de leur création dans les ténèbres. La brutalité devient le filtre ultime. Il est moche, quoi, et méchant. Alors lui, pour le coup, c'est vraiment un alien, avec vraiment la bouche de l'alien, la totale. Lui, vraiment, il adorait le film. Hein. Il en veut encore. Il y a d'autres Abyssus, Abyssum, Abyssae, tout ça, là. Un poisson revenant. Créature étrange à la tête transparente qui abrite deux yeux tubulaires capables de pivoter vers le haut et vers l'avant. Il a l'air d'avoir mangé ses copains quand même. Hein. Je peux pas dire, mais... il a pas l'air très bio, le mec. C'était le petit poisson des abysses. Mmh. Ah, le quinquin. Bien sûr. Je dois avoir une place pour un quinquin. De toute façon, j'en ai rien à carrer. Je fais une place pour un quinquin puisqu'il est dans mes objectifs. Oula, là, il y a d'y avoir du moche là-dedans. En bois, tonton. Ah oui, monsieur le. Ouais. J'en prends un petit là. Ah. qu'est-ce que tu es, toi Dragagodet moribond. Quelques lambeaux de peau pendent de ses nageoires, telles des toiles d'araignée. Ses muscles apparents sont parcourus de petits vers blancs. T'as l'air surtout d'être plus qu'une arête, hein. Je veux pas. Bon, je veux pas dire, hein. Je veux pas me permettre de critiquer, voyons, mais. Si je tape là-dedans, il se passe un truc. Bon, visiblement non. Alors, je vous demande ça. Ah, ah, ça. En fait, je voudrais garder toi. Le filet, filet est vide. Ok. Le filet est vide, j'irai bien au temple du quinquin, et si je dis pas de bêtises, je me demande s'il est pas par là, justement. Ou par là. Ah, il est peut-être par là. Enfin, je sais plus. Traçons. Avant que mon quinquin ne pourrisse, bien sûr. Ah oui, c'est ce truc là, mais ça réagit toujours pas. J'ai toujours pas le droit. J'ai toujours pas les éléments de compréhension. Ça devrait être par là, le quinquin. Les abysses. Je comprends, hein. Un poisson ogre. J'en ai un. Un peu plus d'un.
un calmar, on connaît déjà. On va rester là. Bon, on connaît déjà. Ça n'a aucun intérêt. Bon, j'en ai un. Non, mais c'est bon, j'en ai un. Je me demande comment ça se passe si je mets encore plus de spotlight sur moi en fait. Genre si vraiment... Non mais c'est bon, j'en ai plein. Laisse-moi tranquille. J'aimerais bien arrêter de perdre du temps avec ça. Non, ça m'intéresse pas. Là, le temple au quinquin. Non, laisse-moi... Ouais, tais-toi. Hop là. C'est pas ça qu'on est censé mettre dedans. Je me demande si c'est pas des poissons ogres qu'il faut mettre dedans. Ah, ou des petits comme ça? Ou un mélange de tout? Ah, il y a l'air de falloir... À première vue, il faut mettre un requin. Ça, c'est à peu près sûr. Et il faut compléter avec le reste. Mais je sais pas si... Bon, tu prends tout et n'importe quoi, genre tu manges à tous les ratasses. Attends, on va voir. On va tester. Après, fallait peut-être mettre que des poissons ogres et j'ai rien compris. Hein. Mais à mon avis, il y a un quinquin dans l'histoire. Hein. Ça a l'air d'être quinquin into poisson ogre. Pas poisson ogre, là, ceux que je suis en train de pêcher, mais... Comment t'appelles le dragagodet là. Le dragon godet. C'est pour la petite soif. Je devrais avoir ce qu'il faut. Alors, je récupère ceci. Oh, par exemple. Paf. 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 Ouais, mais là par contre je sais pas ce que je mets. Mettons ça. Ça a pas l'air d'être ça. La réponse n'a pas l'air d'être celle-ci. Du coup la bestiole qu'il faut mettre là-dedans... Je vois pas trop laquelle c'est. Sur le dessin, on voit bien. Dalle de pierre dépasse des vagues. Quatre formes représentant des poissons sont gravées par-dessus. Oui, d'accord. Ça, je sais pas ce que c'est. Moi, ça ressemblerait à cette merde-là, mais. Est-ce qu'il faut placer ça autrement? Ah, tu peux pas trop le placer autrement, le. Le quinquin des océans avariés. Je suis en train de réfléchir à me demander si c'est pas... Faut pas le mettre avec des requins cuivre. Mais ça m'étonnerait. Ça me paraît un peu gros. Parce que là pour le coup le requin cuivre pas du tout à côté, on est hyper loin. Non, ça va être un autre poisson. Ok, pas toi. Je crois. Bon, non, mais de toute façon, toi t'es pas courbe, donc il n'y a aucun intérêt. Non, on vient d'empêcher à l'instant. C'était des trucs genre. Pas dingue utile. Non. Ah, j'en ai pêché. Bon, c'est peut-être qu'un poisson de nuit. J'ai déjà oublié ce que c'était. Retournons donc ici sur les conseils de la chercheuse. Allons au générateur. La machine à répulsion de la chercheuse a pu être branchée au générateur du centre de recherche ici. Paf. Un petit objet recouvert de sel séché roule dessous le générateur. Paf. Activez la machine. Oui. La machine à répulsion s'allume en bourdonnant. Quelques secondes plus tard, une lumière vive jaillit du dessus du... Et une alarme se met à hurler. La chercheuse a dit que cela devrait éloigner la créature
Enfin, au moins pour un moment. Attendez, faut que je fasse un peu de recherche et de développement quand même. Ouais, on va travailler sur nos filets, allez. Hein. Bon. On n'a pas encore tous les filets, allons-y. Donc là, je suis censé pouvoir faire des dingues. Ah oui, ça l'a vraiment repoussé, quoi. Grand fou. Non, mais ça, c'est de la merde. Si ? Non, non, c'est pas de la merde, c'est un poisson. Je croyais que c'était un dragage. Qu'est-ce que c'est ? Poisson limace. C'est dégueulasse. Poisson limace piégeur. Des espèces de doigts terminés par des dents lui assurent une bonne prise dans les eaux ténébreuses. Ok. On sert, hein. Il y en a plein. Un peu moins. Bon bah il y en a plus. Tout pillé. Dès que ça va s'arrêter, je vais me faire buter. Un amphipode géant. Oh, c'est rigolo. Après des années à dévorer les carcasses sur le fond marin, ce crustacé est devenu énorme. Trop drôle. Voilà, on va se tirer de là. Hein. On va juste draguer ça tant qu'on y est. Ce sont des boucles d'oreilles. Allez, hein. Allez, hein. On va bouger. On commence à avoir beaucoup de poissons qui a tourné sur nous, de toute façon. Pop, hop, pop, pop. Est-ce que je peux me faire un petit stupide? Oui. Voilà. Ça c'est fait. Bah ma réserve vient que je vais récupérer là-dedans. On est bon. Ça a toujours fonctionné son truc. C'est pas mal ça. Un doubloon. Bon. Pas vraiment ce que je cherche, mais ok. C'est peut-être plutôt ça que je cherche. Anneau en or assez gros pour servir de ceinture à un enfant. Il est serti de toutes sortes de pierres précieuses qui semblent être disposées au hasard. Voilà. Objectif obtenu, j'ai envie de dire. Oh oh. On se cassos. Je peux relancer vite fait le temps que je pêche, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Activer la machine, oui bien sûr. Tabasse les oreilles à l'autre. Il y a des petits poissons ici, voilà. Ah. Amphipode corrompu. L'hôte est-il consentant ou sert-il de réceptacle artificiel? Pam 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 pam. Ne seront probablement jamais. Ça c'est bon. Le ah oui, il faut le poisson hog dont je me suis débarrassé. Hein. Silhouette dorée. Ah oui, c'est pour l'autre qui a la dalle sur son île. Ok, ok, ok. Ouais, ouais, on va lui ramener ça. À l'autre en pas fax. Je vais lui trouver son plaisir, son bonheur.
Putain, quand je pêche ça, comment j'ai l'impression de pêcher un... je vous le dirai pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais je vous le dirai pas, mais vous voyez clairement ce que je veux dire. J'ai l'impression de pêcher un drap. C'est de la toile roulée, là. C'est agréable, ce petit son de fond, là. Point, 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 point. C'est agréable. Meilleure idée. Il y a quand même des gars qui ont des idées incroyables. Il y a un autre dégueulasse. Hein. Moi, je continue à me faire des thunes, on sait jamais. Hein. Je peux avoir à réparer. D'acheter un nouveau moteur. Bonjour. Je me casse sauce. Je me casse sauce. Voilà. La réserve. Hop, ça monte à la réserve. Ça monte à la réserve. Ça peut monter à la réserve en attendant que... il faut qu'on aille nourrir l'autre avec un poisson ogre. On va aller chercher ça. Je crois que c'est un poisson de nuit. Super vitesse. Oui, non, mais non, ça c'est un... C'est un poisson vulgaire. Oh, un vulgaire poisson. Pouette, pouette, pouette. Ah, c'est par là, c'est un poisson abyssal, je crois. Les machins. Tac. Non, ça c'est un moche. Et pas autre chose que du moche. Ça c'est des calmars. C'est ce que je cherche. Ça, ça va être pareil. Rien à voir. Ah non, ça c'est pas ça non plus. Le poisson revenant. Pas ça non plus que je cherche. Ça va être encore des revenants. Ah. Poisson ogre. Yes. On va aller voir l'autre naze. L'autre naze qui est, je crois, sur cette île là. Je vais l'embrouiller, je vais l'embrouiller. Voilà. Je leur mets la pression dans le noir, je leur mets la pression. Ils sont pas prêts, ils sont pas prêts. Il y a un bateau pirate, quoi. Oh, ça me tente tellement d'aller le voir, mais bon. C'est tout sauf une bonne idée, évidemment. Ok. Je vais le trouver, Stampafax, là. Ouais, il est là. Un autre sacrifice. Tiens, ton petit poisson. Frais, en plus, franchement. Elle porte le petit poisson à sa bouche et le mord à l'endroit du cœur. Ses lèvres entrouvertes révèlent une rangée de dents acérées. Je sens une ouverture. Elle déroule le dernier parchemin. Celui-ci représente un crabe bleu. Oh, faut que j'aille jeter une crabe, t'es chiant. T'es chiant. On avait dit pas les crabes. Oh non. Le monsieur, il vend un crabe. Oula. Hyper vitesse, c'est le moment où je fais sauter mon moteur. Voilà. Et le reste de l'épisode devient extrêmement passionnant d'un coup.
Bah ouais, faut que j'achète des paniers de crabes. Quelque chose s'est glissé à bord. Oh, t'as pourri mon poisson! Ouais, salut. Je pense que ça m'intéressait de toute façon. Je veux dire. Où je suis dessus? Yippee-kai, pauvre con! Ouais, je vais aller voir le collectionneur. Je vais lui décharger tout le matos du monde dans la bouche, quoi. Je vais lui jeter de l'argent. Comme ça, dans sa face. Ça rien que je pêche, le mec dans un crabe. Bon, après, ça m'évite de venir les mains. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On peut comprendre ce que le gars a à dire. Ah oui, il est moche, là. Vas-y, fais péter du moche. Let's go. J'ai pas regardé à quel point il valait du pognon, c'est con. Voilà. Bah, y'a plus rien. Eh, vous êtes pas super pratique à ranger, les gars. Oh, attendez, c'est le moment où il faut que je commence déjà à jouer à Tetris là. Wow. Netton, toi, je vais te ranger par là. Toi, je vais te ranger comme ça. Toi, je vais te ranger là. Bah, je peux plus le ranger. Si toi, je te range comme ça, est-ce que je peux encore bricoler des trucs? Non, ça a pas l'air, hein. Ouais, je me retrouve avec une jolie rangée de vide au milieu, mais ça m'arrange pas non plus. Bon, allez, cassons de mine d'ici. Voilà, c'était bien. Le soleil qui descend à une vitesse. C'est une dégringolade, hein. Oula. En train de pousser un peu fort. Ah oui, c'est les pieuvres. Oh, je laisse la pieuvre chelou. Pour l'instant. Je vais revenir la chercher. $54. 70, c'est du frais, hein. Ouais, d'accord, ouais. Et 127. Oh, le chelou, il pèse lourd. Hein. Ok. Donc, enquête. L'autre, il me voulait, on avait dit, je me souviens plus, c'était quoi son poisson. Ah, un bleu crabe, oui, c'est. Oh, c'est cool. Il veut. Ah, c'est vrai que j'ai pas besoin d'acheter un palier. Bam. Par là, je crois. Non. Et bien voilà, une soirée rondement menée. J'espère que vous serez apprécié le mon aspect commentateur
mon commentaire très invasif. Allez, est-ce que je pourrais avoir mon crabe bleu? Je t'ai vesqui. T'es dégoûté. Allez hop, tu prends. Hop là, je t'ai vesqui, t'es dégoûté. Hop là, récupéré. Hop là, je te vesqui. Bon bref, t'as compris l'idée. Salut mon grand! On va passer voir la chercheuse vite fait, le toutou. Et puis elle me poursuit vraiment la tempête, genre elle cherche quoi. Les spécimens que tu cherches, n'oublie pas qu'il faut installer et désactiver la machine avant de tenter de récupérer les spécimens. Ah oui, j'ai oublié, excusez-moi, bah je te trouve ça... Oui putain, je l'avais oublié hein. Oh j'avais... Elle était sortie de mon esprit. Bon, on va aller nourrir l'autre chelou là. Par là d'abord. Pouet, pouet, pouet. Non, ça c'est des. Ah non. Vas-y, vas-y, fais péter. Ah non, j'en veux un rare tout de suite. Hein. Légendaire. Hein. Un poisson vipère. Oh, il est beau, Polo. Oh, Polo, il est beau. Oh, ils sont magnifiques. Donne-moi un chelou dégueulasse, s'il te plaît. Ah non. J'ai pas eu. Dommage. Je suis un peu déçu. Bon, techniquement, ça faudrait pas trop que j'en abuse. Sinon, je vais vraiment taper des crabes qui vont... Enfin, même des corbacs et tout qui vont bien me faire la peau, là. Me piquer mon loot. C'est pas le moment. Est-ce qu'il y a... Oh, une godasse. Oh, j'ai jamais eu, hein. Oh, la botte élégante, hein. C'est tellement au quêtière. Ouais. Pas le bon caillou. Non mais... Non mais... Oh. Non mais... Oh, laisse-moi. Ah oui. Oui, effectivement, c'est pas le bon caillou. Hein. Pas des choses par ici. Oh, jamais... Du coup, j'ai jamais pêché, hein. Je prends un poisson lune. C'est trop mignon ça. Alors, c'est mignon mais la place que ça prend. Bien que ce géant soit le poisson osseux le plus lourd du monde, son corps lent et fragile est vulnérable aux dents acérées et aux mâchoires affamées. J'ai jamais compris le... Bon vous me direz c'est pas le seul dans le règne de la poissonnerie. Mais j'ai jamais compris son utilité dans le... Hein, dans le règne animal. Partie de ces trucs, tu fais, mais tu es un alien, c'est-à-dire que tu es gratos, tu es un gros tas gratos. Quelle est donc ta raison d'être, mon ami? Un thon noir, oh, je connais déjà. Mais elles sont hyper loin en fait. Je suis genre hyper méga loin. Vraiment pas tant, parce que là faut y aller. Là faut laisser redescendre la pression, donc on va pêcher un peu, c'est très bien. Oh, un petit légendaire au calme. Boum. Voilà. On va tuer un peu le temps là, 20h c'est bien. Oh, un poisson gremaudit, cette petite créature fragile qui s'attrape facilement. Une fois remontée des profondeurs en hurlant, elle gît impuissante. Genre, juste ça hurle. C'est pas le plus effrayant. C'est un poisson avec du métal. Ah ouais, mais là j'ai pas le temps de poète, hein, mon pote. Hein. Faut que je trouve mon île. Et la bonne de préférence, du premier coup.
Et je crois que c'est celle-là. Je suis pas sûr. Ah, je suis pas plein de certitude. Je sais pas s'il y a vraiment un impact à circuler sans lanterne, mais putain, j'ai paumé mon île. Ça, c'est une île avec le feu de camp, mais c'est pas l'île que je cherche. Ça, c'est l'île au sacrifice, c'est pas celle que je cherche. J'ai loupé un truc, mais ça, c'est la sacrifice. Oh, laisse-moi tranquille toi, laisse-moi tranquille. Hop là, un étrange coffre est à moitié recouvert de sable. Regardez à l'intérieur. Ah bah tiens, mon dernier morceau de carte, que j'ai déjà trouvé. Bon bah, c'est ici, c'est joli. Hop là. Et j'ai fait des peuples énormes remonta comme ça. Il est où mon crétin là? Oh, je l'ai paumé. Ah non, laissez-moi tranquille les corbacs. Hein. Non, 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 non. Faut pas becter le poisson à bord. Mais putain, pas le crabe bleu, bande de. Oh. Quelle bande de connards. Poisson vipère. Mais cassez-vous. Regarde si je me mets là à pêcher. Ah, mangez ça plutôt. Vite, il m'en faut au moins un troisième. Parce qu'il les mange toujours pas trois avant de se tirer. J'ai perdu l'autre crétin. Je sais plus où est-ce qu'il est. Sur quelle île il se trouve. Oh, oh, l'épisode va être trop long. Oh, les gens vont se désabonner en masse. Oh. Ah, c'est là. Je crois. Non, il y a des maisons là-dessus. Non, pas du tout. Non, je vais où là? Non, de moi, je vais où? Et ici, rassure-moi, t'es là. Non, ça c'est une épave. Mais putain, je l'ai caché où le gars? Bon, bah, on va refaire tous les pontons de la zone. Hein. Alors, ici, nous sommes déjà passés. Oui, c'est la photographe. Photographe, nous connaissons déjà la photographe. Croissant. Hop là! Salut ma gueule. Voilà, c'est bon, je l'ai trouvé. Bon, il risque d'être un peu moins frais ton poisson, mais t'inquiète. Du comment t'es dégueulasse, hein. Ah, mais j'ai plus! Eh merde, du coup, j'ai plus. Alors attendez. Voilà. Fait plaisir. On met le turbo boost. Putain, j'aurais même pas le temps de vendre mes super turbo poissons. Je suis dégoûté. Oh, j'ai pas le temps. Ça va. Dormir, c'est pour les faibles. Je me demande si c'est vraiment mon boost qui fait apparaître les monstres. Ou le fait que je refuse de dormir. Ou un mélange des deux. C'est pas possible non plus. Merde. Tout a pourri dans mon bazar ou. Avarié, pourri. 3, 2, 1, ça va se transformer en merdouille qui vaut plus rien. On va empêcher un truc.
truc et essayer de se glisser à mon bord. Oh mais non. Oh, que chier. Bon, on repassera là. Faut que j'aille vendre à gauche toute. Rien dégueulasse. Hein. Allez. Pourquoi je me tape une musique épique? Ah, il a pourri, c'est dommage. Ouais, jette. C'est vrai que le jeu, il aime bien balancer ses musiques comme ça. Il ne se passe rien. Quand tout à coup... Quand tout à coup, il se passe toujours rien. En fait. J'en bataille. Alors... Voilà. On est bien plein. Plutôt par là. Perdu. Tout a pourri, je suis deg. Maria. Alors. Voilà. J'ai restauré entièrement la carte. Ça ne sert à rien. Mais je l'ai fait. Mais ça ne sert à rien. Mais je l'ai fait. Bon. Non, on s'en fout. Retourner à mon panier de crabe. Et vous savez quoi, retourner à mon panier de crabe dans le prochain épisode. Je vous remercie, c'était Knarfonction comme d'habitude gaming pour Dredge. Je vous dis à la prochaine, ciao.